On est reparti sur Outer Wilds, le DLC, on va bien s'amuser, je ne sais plus, on va regarder l'ordinateur de bord parce que je sais plus sur quoi j'étais, et le chat évidemment vous dit bonjour hein, YouTube, non, peut-être, je ne sais plus, sûrement, si j'avais su que je divorcerais quelques années après j'aurais peut-être vendu, ouais ben, ouais, t'as donné ça à qui? À qui t'as donné les consoles? Alors, nous sommes là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a le réservoir. Un énorme réservoir, des bâtiments et des jetés de... Ah oui, il faut que je... Bah oui, bah je... Ouais. Ouais, on va se faire le réservoir. Parce que, la dernière fois, j'ai un peu glandouillé. Et du coup, je l'ai pas... Merde. Merde, c'est par là. Je sais que c'est par là, mais où exactement? Je ne sais pas, donc il faut que j'aille là. Tac, putain, je vais essayer de pas faire cracher le truc. Hop, hop. C'est ouf, l'étranger. Là. Attendez, ça marche pas? Oh, le bug, le bug. Le bug du truc qui ne se marche pas, oui, effectivement, je... Je parle français aussi bien que vous. Hein. hop. Je donnais deux PlayStation 1, donc une pour pièce, deux Dreamcast, plus des jeux à Vorpal. Ah oui, ça, je me rappelle les jeux à Vorpal, ouais. Effectivement, je me rappelle. Ils a donné à Rist. D'accord. Merde. Attendez. Hop, là, je pivote, je pivote. Là, j'ai trop pivoté. J'ai trop pivoté. J'ai trop pivoté. Ah, j'aime bien quand j'atterris comme un bourrin. Hop là. Ensuite. Ouverture de porte. Et là, on va faire tout le tour. Merde, j'ai pas poussé. J'ai pas pensé à pousser le radeau. Hop là. Et là, c'est parti pour faire tout le tour. Ça sent la bouffe dehors. Bah. Pour arriver au barrage avant que le barrage ne pète. Ça secoue, ça secoue. Où est-ce que j'essaie d'aller tout à droite? Est-ce que j'avais encore des trucs à faire tout à droite? Je crois pas, hein. Je sais plus. Non, puis je sais pas ce que j'ai dit que j'allais faire. Ah, cette petite musique, elle est bien la musique. Je l'aime bien. Ça sent vraiment la bouffe dehors. J'ai donné ma Switch, les jeux, les accessoires à la marraine de mes filles. J'ai donné ma NES et ma Super NES. Une cinquantaine de jeux, un ami fan de Zelda parce que j'avais la complète en cartouche plus Metroid et Super Metroid en cartouche Jap. J'ai donné ma GameCube et ma N64, cinquantaine de jeux, un ami qui déprimait suite à la naissance de sa fille. J'ai donné ma Master System et Mega Drive plus CD2, 32 et des jeux. Plus CD. Ouais, attends. Ouais, ok, un autre copain. C'est l'extension de la Mega Drive, le CD32, c'est ça. J'ai donné un carton de jeux PC avec les boîtes d'origine à un copain qui adore les jeux d'aventure. Ah ouais, donc à partir du moment où les jeux, les personnes aimaient bien un type de jeu, tu donnais le jeu et la console et les jeux qu'elle avait, quoi. Yes, j'ai réussi. Est-ce que j'ai encore des trucs à faire ici? Sûrement, hein, mais... Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Là est la question. Il y a une grotte là en bas? J'ai dit que je venais pas là et j'y viens quand même. Le mec.
Moi ce qui m'impressionne c'est que tu te rappelles encore de tout. Ça m'impressionne que tu te rappelles encore de tout ce que t'as donné. Ok ok. Ça d'accord, ça j'y suis allé. Oh, mais j'ai déjà fait plein de trucs ici. Là je peux aller en bas. Ouf. Pas passer loin que je tombe à côté. Attendez. Pourquoi là je peux pas... Donc là... Donc là il y a le trou là. Ah, il y a un autre trou ici, regardez. Là il y a une porte. Il y a une porte aussi ici. Attendez. Ah d'accord. Non. Ça n'a pas fonctionné. Il fait de la lumière lui ce con, non, c'est ça? Ah oui d'accord, faut que je le rappelle pile au bon moment quoi. Yes! Oh là 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 là, je suis tellement bon. Je m'impressionne. Y'a un truc qui a bougé. Ok, allez, je vais pouvoir regarder ça. Ouais, il me semble que c'était en face. Il me semble me rappeler que c'était là. Pas du tout. En gros, qu'on a déménagé dans la nouvelle maison. La maison est en méga bordel car mon ex et mes filles ne savent pas ranger. Du coup, pour leur donner l'impulsion, j'ai donné toute ma collection de jeux et de consoles. J'ai gardé que ma 360 et ma PS2. Ah, c'est foiré, ça n'a rien aidé. Mais au moins, t'as moins de choses à déménager. Ouais. Je me dis que sur 18 ans, ce sont des artefacts de la personne qui habitait mon corps avant moi. Elles disent partie de l'histoire de mon corps. J'en prenais soin et je jouais régulièrement avec. D'une part parce que j'aimais beaucoup ces jeux. Pour moi, ça faisait remonter des souvenirs ou pas. D'accord, ok. Bah, c'est encore plus... C'est encore plus cool de ta part en fait de les avoir donné quoi, tu vois. Enfin, il y avait du coup une vraie valeur quoi, enfin tu vois. Alors je dis pas que le pécunier c'est pas une vraie valeur hein, mais mais t'avais une valeur thérapeutique en plus à l'intérieur quoi. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre? Sur les malandrins. Alors. Quoi?
Waouh. J'ai rien compris. Bonjour, j'ai rien compris. Puis là, je vais arriver à la bourre en fait, en plus pour le. Parce que là, le barrage, il a bientôt pété là. J'ai peut-être fait le con, hein. Non? Je vais rester ici pour essayer de faire des trucs ici. Parce que ouais, le barrage là, il va bientôt péter finalement, donc ça sert à rien que j'y aille. Je vais être déçu. Je vais être déçu, je vais arriver là-bas, puis il va plus rien avoir. Il y avait... Bon déjà, je suis content d'avoir trouvé ça en plus. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Concentré et dissimulé. Est-ce que c'est un truc mal traduit, vous pensez? J'ai ça. Oh, ça me ramène au niveau de là où je suis, d'accord. Let's go remonter. Je sais, pas grave, c'est fait, c'est fait. Oui, non, clairement, tu vas pas reprendre les choses. Je donne souvent plus que je reçois, c'est pas grave, car je donne pas pour recevoir. Oui, bon, on est d'accord. Il faut aussi que je pense à me préserver parfois. Clairement, oui, bah ça, je... oui. Oui, ça, on a tous compris, je pense, hein, que tu as un peu du mal à penser à toi en premier. Huh. Huh. Attendez voir. Attendez voir. Est-ce que... Il n'y a pas un truc? Si, hein, non? Peut-être? Sûrement? Faudrait que j'aille en face pour voir, en fait. Que je trouve un autre angle. Ah, y a quelque chose là. Hein. Là. Que j'essaie d'y aller ou pas? C'était une connerie. C'était une connerie. Je l'ai tellement mal exécuté. C'était très très mal exécuté, hein. Faut se l'avouer. Si je me dépêche, je peux encore arriver en haut. Ah, ça revient. Par où c'est le chemin le plus court? Hop. Que vous pensez que le mieux c'est que je... Est-ce que je peux rentrer en fait? Je suis même pas sûr de pouvoir rentrer là-dedans. En fait, il y a rien. Ah, y a pas grand chose. Ah, y a une puerta quand même. Hein. Ah, y a la porte qui mène dans le petit KGB là, quoi. C'est gros comme une maison que ça, ramène, ça mène là-dedans en fait. Faudrait que je puisse appeler le...
Ah ça y est, regardez, hop, il vient de craquer. Le barrage vient de craquer. En fait il faudrait que je puisse... Ah mais je peux ! Attendez si je suis assez rapide. Ah bah non. Merde, il aurait fallu que je... Ah non, non, je peux l'appeler. Ah non, je peux plus l'appeler, merde, il est mort. Ah, je crois que je vais me faire une grosse connerie, là. Il a fallu que je lui dise de retourner en bas. Ah, je vais pas avoir le temps. What? Mais non, mais tout va s'écrouler, là. Bah ouais, bah oui, bah évidemment. Que ça passe. Ok, ça passe. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que le truc là, je lui dis d'aller en bas. Regardez, hop. Je l'allume. Qu'il descende. Hop là, et j'arrive là. Oh là là. Pourquoi il y a la musique chelou là? Je vais poser la lanterne et je vais aller chercher le... Et j'ai remis du carbu là. C'est quoi ce truc? Et là du coup j'ai trouvé ça. Quoi? Ah oui d'accord. Non. Ok c'est bon, ça a ouvert la porte. Ça fait ce machin. Non mais faut que je trouve quelque part pour l'ouvrir là. C'est un endroit que je connais déjà ou pas ça? Bah oui, c'est celui-là que, où j'étais tout à l'heure. Enfin, c'est cool, j'en ai un qui va être fabuleux là. Alors, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Donc... Oh, y a encore les mecs chelous, ils s'échangent des tablettes. Ils vont danser. Ils marchent dans le vide.
Et j'en mets un autre dedans. Ça sert ce truc. Plus clair quand je vais lire mon journal, mais c'est tout parce que oui, après j'arrive au niveau du sol et là au-dessus il y avait rien. On peut pas les combiner. On peut pas en mettre plusieurs. Donne-en un autre là. Pas l'air d'être ça, hein. Sèche loup. C'est chelou et c'est pas du tout ce que je pensais. Dommage. En même temps, tout est chelou dans le jeu. Je suis en train de dire c'est chelou. Qu'est-ce qui est pas chelou dans le jeu, quoi? Citez-moi un truc qui est pas bizarre dans le jeu. Ouais, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Ah! Pourquoi il y a le symbole de la... Pourquoi il y a un câble aussi là? Voilà. Oh, j'ai décollé, dis. Les tuyaux là. Ça mène où? Ok, ça mène là, d'accord. Pour descendre quoi. Ah là là. Des nouvelles questions et si peu de réponses. Donc là on a le grand méchant là. Ça on le sait. On va pas tarder à mourir. Le petit bruit de cabinet. Voilà. Bon, fin de la boucle.
Ah, mon cerveau. Ah, mon pauvre cerveau. Hein. Est-ce que je lui fais pas faire quand même? Bah, finalement, j'ai bien fait d'aller ici, quoi. J'ai bien fait d'aller à cet endroit-là en particulier. Là, par contre, on va aller au barrage. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Oh oui, tout ça. Ah oui. J'ai trouvé un carrousel de diapositives dans la gorge cachée qui montre une explosion créant un trou dans le flanc de l'étranger. Ah bon? Ah bon? Un trou dans le flanc? Il y a peut-être un endroit où il y a un trou, quoi. Une pièce remplie de carrousel de diapositives brûlée empilée à côté d'un appareil étrange. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a un appareil étrange à côté, on est d'accord. J'ai trouvé un carrousel de diapositives caché qui montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. La diapositive que j'ai trouvée dans la pièce d'incinération de diapositives montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elle emporte le récipient dans un passage secret derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Ah bah y a pas à dire, ça m'aide bien. Ah y a pas à dire, hein, c'est... Ah non, on a tout. on a tout ce qu'il faut. Ça va encore être chaud aujourd'hui. Ah, faut que je trouve une peinture murale qui montre un arbre imposant. Et après, a priori, il y a un trou dans l'étranger. J'ai dû voir ça, mais j'ai pas fait gaffe, mais j'ai dû voir ça. Moi j'ai vu des trucs, mais j'ai pas trop compris ce que j'ai vu, alors... si le jeu il me dit t'as vu ça, je veux dire bah ouais, oui, effectivement, oui. C'est ce que j'ai vu. Il est vrai. Bientôt terminé, je pense pas, hein. Je pense pas, parce que... Alors, Shishayu a mis une dizaine d'heures pour le faire. Sachant qu'il a une intelligence bien au-delà de la mienne. Qu'il est doué, qu'il est plus doué en tout. Donc, tu ne connais pas cette personne. Non mais voilà, du coup je te dis, je te le dis. Du coup, quelqu'un de plus doué que moi aux jeux vidéo, dans le genre largement plus doué que moi aux jeux vidéo, a mis 10 heures pour faire le DLC. Combien de temps? Eh bien, je pense que ce sera plus. Aïe, j'ai cassé le bateau. Oui, il y a des cordes. Allez, déconne pas, hein. Oh non. Oh non, il est Kéblo.
Hop là, allez vas-y. To the barrage. Pourquoi tu me demandais au fait Johanna? Tu veux savoir quand est-ce que va commencer le contrôle, c'est ça? Là-bas, il y a une porte. Pièce où il picolait en regardant le soleil. Bon. Je peux pas les rebrancher les trucs là. Rebranche-les. Rebranche. Voilà. Qu'est-ce donc? Ok, il y a une salle. Il y a le soleil, il y a un truc qui est en train de charger. Et ça, c'est la station? C'est l'étranger? Je suis pas sûr. Je suis pas certain de ce que j'ai. Je suis pas certain de ce que j'ai vu là. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose en face? J'ai encore un peu de temps donc faut que j'en profite. Est-ce que de l'autre côté il y a quelque chose? Il y a un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont déployé les panneaux verts là. Ça fait, ça m'emmène où ça? La fusée. Oh la blague! Un raccourci! Du coup la question c'est est-ce qu'il y a pareil de l'autre côté quoi? Il y a pareil de l'autre côté. Il y a une plaque là. Pourquoi il y a une plaque chelou? Il y a pareil de l'autre côté mais qui mène à rien. La gueubla quoi. C'est bien, je vais pouvoir relire, je vais pouvoir lire les nouveaux trucs. Non?
J'ai trouvé une projection montrant l'étranger en train de se préparer à évacuer le système solaire. Il reste des choses à explorer. C'était quel côté? C'était ce côté-là. Oui. Alors je suis là. Ok. Là, il y a des murs chelous là. Avec des symboles chelous. Pas monter là. Est-ce que vous pensez qu'on peut monter? Attendez, je suis là. Bon. Aïe. Je peux me casser les jambes, ça c'est oui. Ça c'est ça oui par contre, je peux. Merde, vas-y recharge. Voilà. Bon, je vais traverser avant que tout se pète la gueule là. Je sens que ça va, ça, je sens que tout va se péter la tronche au moment où je vais être dessus. Bon déjà je sais qu'il y a il y a un raccourci déjà. Bonne nouvelle. Je peux y aller de manière assez rapide. Putain, j'ai niqué tellement de carburant là. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. J'étais venu, oui. T'es venu, il y avait ce truc, j'ai tout oublié. Oh, c'est la tablette ça! Là il y a l'escalier. Ah regardez, je me vois. Je me vois, c'est rigolo. Mais je fais comment pour entrer là-dedans? Oh merde. J'ai eu peur. Un code pour les pylônes sur la tablette. Ah bah oui, on rentre sûrement par là en fait. Ah bah oui. Ah bah oui.
On rentre très probablement par là. Ah, tu penses qu'il y aura un code? Je pense qu'on peut voir un code par là. Ah mais... Blacky, tu es une génie. Oh mais oui. Regardez, ceci est le code de la porte. Alors, c'est quoi? Soleil. Soleil, moi, flamme, moi, flamme. Soleil, moi, flamme, moi, flamme. Soleil, moi, flamme, moi, flamme. Bravo, bravo Blacky. Alors, attendez, soleil. Soleil, c'était ça, hein. Ouais, soleil. Moi. Flamme. Moi. Merci. Alors, je voudrais remercier ma maman, le Fantastic Studio Sion, qui m'a fait aimer les mists. Par contre, Blacky, pour le... Blacky, par contre, pour le black seat, du coup, vu que c'est Blacky qui a backseaté, je te demande de Toto... Toto banné pendant 600 secondes. Voilà. Et oui. Et donc là, on a un truc qui est tout gelé. Qu'est-ce que c'est? Il manque quelque chose. Ah oui, d'accord, c'est le module est cassé. Ah merde, ça me paraissait tellement évident. Et que tu l'as pas vu. Bah oui, mais... J'ai revu du DLC à part chez toi, ceci dit. Ah oui, non, mais je sais bien que c'était pas... C'était pas Trished. Mais c'est du backseat, quoi. C'est du backseat. Hein. T'es là, tranquille, où tu dis, bah attends, mais il est con. Il est con, il a pas vu les logos. Et alors que moi, j'ai vu. Allez, les jolies petites photos de famille, là. Pas chelou du tout. Attendez, ça dit quoi ça? Ça dit que le truc là, il ne marche pas. Ah, regardez. Faut que j'ai une griffe. Faut que j'ai l'appareil machin là. On sait qu'il faut que j'ai un appareil. Pour la peine, je m'auto-théo en allant faire mon rangement post-convention et trouver une idée pour ce fichu gage. Tiens! Tiens, tiens! Non mais j'y suis déjà allé ici. Je suis déjà venu là. Je crois. Ah! Ah! C'est dommage. C'est dommage, le bâtiment il est là. Mais non! Moi, je veux une pince là. Je veux vos pinces cheloues d'extraterrestres chelous là.
pour en tester une. Ah, je suis très content. Non, non, non. Vous croyez que je l'ai déjà vu cette cassette là ou pas? Est-ce que vous pensez que cette cassette là, elle a déjà été vue? Ou pas? Allez, prends le carrousel. Fais pas ton enfant là. Ah mais pas un temps pour remonter, c'est baiser. Ah non, peut-être pas. Voilà. Perfecto. Alors, est-ce que je l'ai déjà vu lui? Et bah non, je l'avais pas vu. Donc, ils font leur petit truc là, leur petite cérémonie. Ils enferment le machin, ils l'immergent. C'est tout. C'est tout. Tout ce que tu voulais montrer le jeu. Ça m'aide pas des masses. Hein. J'aurais bien aimé que tu m'en montres un peu plus. Y a pas un autre. Nah. Aïe, je m'ai cogné. Je m'ai cogné. Ok, là on a les loupiottes, là on a le reste. Ah. Aïe. Le soleil, il a l'air pas content. Est-ce qu'on peut remonter? Est-ce que si je vais là, quel point de départ, est-ce que je peux... Ah mais non, je peux partir. Aller chercher un Sonic Screwdriver là, puis prendre le... Oh, je vais crever. Ah non. Puis derrière, prendre le raccourci pour revenir vite. Aïe. Ah. Ah, est-ce qu'il y a des trucs là? Il y a trop de courant. Trop de courant, je peux rien faire. Je peux même pas me barrer en fait. Là, je suis bloqué là. Hop, on va méditer. Bon alors. On va trouver.
Qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant cette fois-ci? C'est vrai qu'il est quand même un peu plus flippant. Ce petit DLC là. Que le jeu de base. Alors, dis-moi tout. J'ai trouvé une pièce avec une interface de contrôle brûlée. Et une projection semble indiquer qu'une connexion brisée entre l'étranger et un autre vaisseau. Le carrousel de diapositives montrant un coffre étrange en train d'être encastré dans une large structure métallique avant d'être plongé sous la surface. Les 4 trucs me mènent. Les 4 trucs me mènent au coffre hein, quand même. Hein. Ça nous montre lequel hein. Celui-là, c'est celui de l'ouest, là. Là, c'est celui du nord. Là, c'est celui de l'est. Là, c'est celui du sud. Donc là, c'est l'œil. Ici, c'est le truc des flammes. Ici, c'est le vaisseau. Et ici, c'est Saturne. C'est pas vraiment Saturne, hein, mais vous avez compris. Trouver un carrousel de diapositives dans la gorge cachée qui montre une explosion créant un trou dans le flanc de l'étranger. Il devrait y avoir un endroit où il y a un trou. Merde, réserve d'oxygène, merde. J'ai tout cassé et... Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux aller là et je peux aller sur la petite île juste à côté, là.
Ici, je trouve un artefact. Merci beaucoup. Et après, faut que j'essaie de revenir au début. Voilà, pour prendre le raccourci. Y'a quoi là dans le fond? Y'a pas grand chose. Hop. Et donc maintenant, paf, raccourci. Aïe. On appelle le machin. Il arrive. Aïe. Je regarde au cas où ça pourrait être là le trou. Le trou dans le flanc. En même temps, quelle idée de faire une station stellaire comme ça en flanc. Ils n'ont pas pu faire ça avec des vrais matériaux, non? Ils ont tout fait en flanc, quoi. Les nuls. Alors. C'était quoi? C'était soleil, flamme, non, moi, flamme, moi, flamme. Ah non mais c'est pas ça en fait. Non c'est pas ce truc là. Hein. Je l'ai pas déjà vu cette structure là. Pas vraiment. Il se passe un truc là. À ce moment là du jeu. Il se passe un fucking truc. Je sais pas ce que c'est. Il y a une plateforme là. Une plateforme là dans le milieu. Ou alors c'est le c'est les igouigouis là. C'est peut-être le zigouigoui. Salut Christou. Oui, il y a du son, oui. Bah c'est l'avantage d'avoir le retour. Hein. C'est que quand, quand mon son marche pas, je m'entends pas. Et donc je me dis, il y a peut-être un problème.
Alors. Ça, je l'ai trouvé le merdier là. Ah, mais quand il y a encore de l'eau, en fait, on n'y a pas accès. D'accord. Les artefacts, je sais pas à quoi ils servent les artefacts. Je suis arrivé dans un moment de réflexologie intense. Bah comme d'hab, hein. Enfin sur ce jeu... Sur ce jeu, il y a mon cerveau qui fond quand même. Les pauvres neurones, eux qui sont pas habitués quoi. Attendez. Est-ce que je peux aller sur les îles quoi? Là je peux suivre le bord, c'est sûr. Ça vaut le coup d'essayer. Hein. Qu'est-ce que je risque? De tomber sur un truc? Ah voilà. C'est le remake de Myst. Bah des fois ils sont pas loin hein, franchement. Ils sont vraiment pas loin de Myst. Hein. C'est... Alors, on arrive là. Là, je vais en face. Aïe! Ça, c'était mes jambes. Là, on a un arbre. Mais regardez les trucs là qui sont pétés. Il y en a un. Il y a une branche là qui est pétée. En haut de la tour là. Non, c'est trop loin là par contre. Ah j'aurais essayé. Tiens, t'as une crique. Pourquoi il y a une crique ici? Eh. Eh, vous avez vu ça? Encore le machin chelou. C'est quoi l'objet que tu as? Eh ben justement, justement c'est la grande question. C'est un artefact. Bah à quoi qui sert? Eh bien je ne sais guère. Ah. Ok, là c'est différent. Oh non! Merde. Je vais me noyer.
Le carrousel. Oh vite vite, faut que je monte. Merde. Comment je monte? J'étais où? J'étais là? Non, c'est là où je suis rentré, c'est ça? Y'a pas un étage dans ce bâtiment là? Ah non. Putain, on est tellement paumé une fois qu'on est sous l'eau. Aïe. Oula. Ok, c'est un 1 que j'ai allé ça. Ah oui, d'accord. On est là. Allez hop, file-moi ça. Merci. Et donc l'objet que j'ai, ouais, enfin que j'avais là. J'ai pas d'idée à quoi il peut servir en fait. Et on peut l'activer, le désactiver, mais je sais pas pourquoi. Là je trouve des diapositives, je fais les séances diapo. Et je trouve plein de diapos. Et du coup je les regarde. Ah mais regardez ça, c'est la tour qu'il y a juste en face ça. Donc le mec il a une tablette. Oh là là. C'est pour nous montrer où il y a des où il y a des trucs cachés quoi. Non? Oh, il y a des grottes cachées. Donc c'est quand il y a le truc là dans l'angle. Je peux sortir. Aller tout droit. Tellement what the fuck, c'est comme quand on était à l'école où on faisait des rows quand la maîtresse éteignait la lumière, enfin les autres pas moi, moi j'étais sage. Vous faisiez ça vous? Non mais pour de vrai vous faisiez ça? Alors attendez. Non, j'ai pas le bon angle. Une fois sur deux, quand on monte sur un toit, on se pète la gueule. Alors. Donc c'est derrière. Ah bah c'est derrière, c'est là où j'étais en fait. Nam 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 nam. Saleté de barrage qui pète là. Les mecs cool de la classe faisaient ça pendant les VHS ou les diapos. Ah. On va mettre cool avec des grosses guillemets alors.
Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh, le courant. Oh, le courant qui m'a embarqué direct dans le fond, quoi. Je peux y accéder autrement, quoi. Bah c'est bien dans le jeu pour l'instant, il n'y a pas encore de bestioles chelou prêtes à nous bouffer quoi. Déjà il n'y a pas de sélacanthe quoi, donc déjà un gros point fort du jeu, il n'y a pas de sélacanthe. Ah! Bon, en même temps, c'était la fin de la boucle. On commençait à avoir la petite musique de fin de boucle. Mais d'accord, il y a du câble électrique. Il y a du câble électrique, si on y touche, on meurt. Et ben je pense que ça va être une excellente phrase de fin de vidéo. Attention, ne touchez pas les câbles électriques, sinon vous mourirez. Voilà, bisous YouTube.